Et yo les gens, c'est Darknex, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable et aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur Cube World, ne vous inquiétez pas, je vais pas mettre que du Cube World sur ma chaîne, c'est juste que le jeu vient de sortir, je l'adore et j'ai envie de vous proposer quelques astuces et même quelques vidéos en coop, en multijoueur avec Rasta qui vont arriver dans les jours à suivre. Donc voilà, j'ai joué pas mal de temps hier soir justement avec Rasta sur sa connexion, on était à 2 sur le serveur, je suis niveau 3 maintenant, on va dire 3,5, Rasta est niveau 4 lui. Donc voilà, j'ai un petit pet qui me suit, c'est un mouton. J'en ai un autre, je vous le montrerai dans une autre vidéo, je pense. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo conseil tuto pour se faire un peu d'argent rapidement et simplement. Cette technique s'adresse plutôt aux joueurs bas level comme moi. Je sais pas du tout, encore une fois, combien il y a de level. Dites-moi ça dans les commentaires s'il y en a qui savent. Mais c'est assez pratique. Moi, j'ai fait cette technique en une demi-heure. J'ai pu me payer le petit delta plane qu'il y a ici et qu'il faut augmenter au niveau des skills pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà. Donc ouais, pour ce delta plane coûte 10 pièces d'argent. Donc je les ai là, mais c'est en faisant justement cette technique que j'ai pu re-avoir 10 pièces d'argent. J'ai pu me l'offrir en une demi-heure. Faut savoir que c'est au début quand on est bas level, sans tuer de mob, sans rien faire, c'est assez chaud de se faire de l'argent. Donc je vais vous donner une technique aujourd'hui. La technique consiste à ramasser tous les champs que vous pouvez ramasser, que ce soit en ananas ou en citrouille. À mon level en tout cas, c'est seulement ça qu'on peut ramasser pour l'instant. Donc vous allez voir, je ramasse tout. Hop hop hop. Bon, c'est pas le truc le plus cool à regarder, hein. Je ramasse juste des ananas dans un champ. Mais vous allez voir, je vais en ramasser le plus possible. Et vous allez tout de suite voir que ça rapporte pas mal. Donc pour ceux qui ont du mal à se faire de l'argent, autre que en tuant des mobs ou en faisant des donjons ou quoi, sachant que les donjons c'est hyper dur franchement. Vous voyez là, je peux plus en ramasser parce qu'il y a une limite. Je crois que la limite c'est 50. Donc voilà, j'ai 50. Ensuite, on va se diriger vers un hôtel de vente, un magasin, le magasin d'alchimie. Et puis on va aller vendre ça. Donc voilà, vous pouvez voir en bas aussi que j'ai 33 potions. Les potions, je vous l'avais dit, comme on faisait dans la vidéo découverte. C'est assez rapide maintenant qu'on a l'habitude. Où est l'hôtel de vente? Dites-moi dans les commentaires si jamais je trouve des petites techniques sympas. Si vous voulez que je les partage avec vous en faisant des vidéos assez courtes, n'hésitez pas aussi à tester le jeu, enfin à l'acheter. Il coûte que 15 euros, franchement. Sachant qu'il est en alpha, quand il sera en bêta, il passera sûrement à 20 euros et en version finale vers 20, 25, je pense. Hop, on parle à elle et je vais cliquer comme un malade pour tout vendre. Vous voulez que je suis à 10 pièces d'argent et 30 pièces de cuivre, et c'est parti! Et hop, voilà, j'ai une pièce d'argent et en plus et 30 pièces de cuivre. Vous pouvez voir que ça rapporte assez. Et là, j'ai pillé qu'un champ, les gens, c'est ça qu'il faut vous dire. Il y a d'autres champs à piller, hein. Moi, je vous conseille un truc, les gens, c'est de faire le tour d'un village. De toute façon, dès que vous spawnez dans votre partie, il y a un village à aller à, je sais pas, 100, 200 cubes, je pense. Ouais, je vais parler en cube. Au lieu de dire kilomètres, je vais dire cube. Non, sérieux, je pense que dès que vous spawnez, il y a un village qui est pas très loin. Tout autour du village, il y a forcément des champs. Pillez tout ce que vous pouvez piller, allez vendre. Et vous allez voir que ça va vous rapporter pas mal. En 4 heures qu'on a joué hier, j'ai dû faire à peu près, allez, on va dire 17 pièces d'argent, je pense. Là, je peux rien piller encore. Je pense que ça sera quand je serai plus haut niveau que je pourrai ramasser ça. Pour l'instant, je peux pas. Là-bas, c'est pareil, c'est du blé. On peut pas le toucher pour l'instant. Enfin voilà les gens, j'espère que cette petite technique vous aura plu. Moi en tout cas, elle m'a beaucoup servi et j'ai pu m'acheter un delta plane et quelques petits trucs. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à le partager et à mettre des likes sur cette vidéo pour que le maximum de personnes puissent la voir. Ça peut aider pas mal de monde. Et je vous dis à plus tout le monde, salut! Il y a encore un champ là-bas en plus, je vais aller piller ça tout de suite.